wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Vertueux. J'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne, je vais vous parler avec le cœur parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors on va commencer tout de suite. Depuis 2-3 jours, je vous sens complètement inactif sur ma chaîne. Alors je sais pas, c'est dû à quoi. Je vois mon nombre de vues ou même mon nombre de likes et de commentaires baisser à une vitesse folle. Même le nombre d'abonnés que je gagne par jour a littéralement diminué ces deux derniers jours. Du coup, j'ai dû faire quelque chose qui vous a déplu, mais je sais pas du tout ce que c'est, car je sors exactement le même nombre de vidéos par semaine. Je sors toujours le même style de vidéos, c'est-à-dire des petites vidéos d'information, des vidéos, des informations what the fuck, des mods que je sors tous les jours à 21h. Alors, si vous avez vu quelque chose qui est passé sur ma chaîne et qui vous a déplu, ou même quelque chose qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Twitter, n'hésitez vraiment pas à me le dire, histoire que je puisse voir ce qui s'est passé, pour que je puisse réagir face à cela, car le but quand même, moi, si je fais des informations, c'est pour vous informer vous. S'il y a personne qui ne regarde, ça sert strictement à rien. Ensuite, je sais que je suis pas le meilleur youtubeur au monde, j'ai pu réaliser des choses dans le passé qui ont fait que j'ai un peu une réputation de merde envers certains autres youtubeurs ou même envers certaines autres communautés. Malheureusement, c'est du passé, je peux pas retirer ce que j'ai fait, je peux rien changer au passé. Après, il y en a beaucoup qui remettent tout ça sur le feu alors que ça date d'il y a très 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 longtemps, et j'insiste vraiment sur le très très. Il y a toujours des personnes qui sont toujours là à me mettre des béquilles, à me mettre des couteaux dans le dos, car vous, vous êtes un petit peu du côté positif du youtubeur, car vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Moi, je vois entre guillemets ce qui se passe derrière, et quand je vois que certaines personnes, grands youtubeurs ou petits youtubeurs, essayent de me planter des couteaux dans le dos afin de me mettre des béquilles pour pas que j'avance ou même me faire couler, sachez que ça fait vraiment mal. Bon, je réagis pas, je dis rien, parce que voilà, la meilleure des attaques c'est quand même l'ignorance, donc je fais style qui ne sait rien passer. Après, c'est vrai que je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un de très très franc, de très très honnête. Quand j'ai quelque chose à dire, je peux pas m'empêcher de le dire. Certaines fois, c'est vrai que j'aurais dû me taire, j'aurais vraiment dû rien dire, mais malheureusement je suis comme ça et je vais pas changer pour que certaines personnes se sentent mieux sur ma chaîne. Ensuite, je voulais vous parler d'une petite chose, d'un petit truc que j'ai envie de faire sur ma chaîne, mais bon, j'avais déjà essayé plusieurs fois dans le passé, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, vu que c'est une vidéo qui est faite un petit peu pour vous parler avec le cœur, je tenais vraiment à ce qu'il y ait un maximum d'avis dans l'espace commentaire, ou même un maximum de réponses vis-à-vis de ce que je vais vous dire. Alors je sais qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui font des teams et qui font beaucoup d'activités sur GTA Online, mais je me suis dit que c'est ce que vous aimez en ce moment, c'est ce que vous aimez le plus regarder, alors pourquoi pas moi m'y mettre. C'est vrai que j'avais déjà essayé dans le passé de le faire, ça n'avait pas réellement fonctionné. Je sais que je suis pas le meilleur youtubeur dans ce domaine là vu que je suis surtout là pour vous informer de certaines choses. Je suis pas là pour vous faire rigoler, car mon humour, on va dire que c'est un peu de l'humour de merde. Mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment chaud pour que je le fasse, si je le fais, ce sera pas que des vidéos de course, hein, ça sera pas tout le temps des activités, c'est à dire ce sera pas deux activités par jour, ce sera aux alentours de une activité par jour, tous les jours à 17h, comme ça vous avez un petit rendez-vous fixe et vous pouvez venir regarder la vidéo à 17h. Ce sera avec des youtubeurs, des non-youtubeurs, des potes à moi, des abonnés, enfin bref, il y aura tout un tas d'autres choses. J'essaye au fur et à mesure d'organiser un petit peu mon emploi du temps, ce qui concerne les vidéos aussi, c'est à dire que je sors une vidéo tous les jours à 21h, c'est une vidéo de mode, comme ça c'est une vidéo pour terminer la journée, on se détend, je vous présente un petit mode, on rigole, je mets ma facecam. Et comme ça, ça vous permet de voir un petit peu d'autres choses comme vidéo. À 19h, il y a toujours une autre vidéo qui est en rapport avec GTA V, que ce soit une information ou une autre chose. Et si vous êtes d'accord, une petite activité qui sortira tous les jours à 17h. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de ce que je ressens en ce moment, de vous parler avec le cœur. Je suis désolé pour les personnes que j'ai pu manquer de respect ou les personnes qui ont été vexées par des propos que j'ai pu sortir sur les réseaux sociaux. Je m'excuse un petit peu de tout ça. Voilà, comme
je l'ai dit, j'ai le mérite d'être vraiment très très franc, et quand j'ai quelque chose à dire, je peux pas m'empêcher de le dire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Je vais même pas vous demander de liker, ni de partager, ni de commenter, ce sera à vous de décider. En tout cas, pour les personnes qui me demandent d'arrêter ma chaîne, sachez que je ne l'arrêterai pas. Vous avez beau regarder ou pas regarder, ça ne changera rien du tout, car je le fais avant tout avec le plaisir et avec le cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve à 21h pour la vidéo de mode. Allez, ciao, bye bye tout le monde.